Le colloque va s'ouvrir le mercredi soir par une table ronde publique, crise des réfugiés ou crise de l'Europe, qui accueille des acteurs politiques et associatifs. Le lendemain, à partir du jeudi et du vendredi, donc, eh bien, sont plutôt les débats académiques qui vont occuper le colloque. Est-ce qu'on a souhaité séparer les choses? Est-ce qu'on souhaite que, je dirais, les politiques, les associatifs et les scientifiques ne se parlent pas? C'est tout le contraire, évidemment. Mais on a voulu réserver un espace à une discussion plus directement et, j'allais dire, plus urgemment politique. Comme si, au fond, les scientifiques avaient besoin de cette provocation des politiques et que les politiques seraient bien inspirés d'entendre non seulement l'expertise, mais la position des scientifiques sur ce genre de problème, position qu'on peut simplement définir comme un appel au calme.